comment ça va? On est à New York, jour 1, avec un peu de vent. On a changé d'ambiance là, c'est plus les petits villages d'Amérique latine. Ouais, exact. On est direct dans la ville et on est au... Top of the Rock. Voilà. Donc tout en haut du Rockefeller Center. Et vous voyez ici là, hop, qu'est-ce que c'est ça? Empire State. Je sais, c'était une question. Ah, ok. Et vous verrez qu'on a un peu changé de fringues aussi. Ouais, on a fait un peu de shopping là, parce que ça allait plus. Parce que c'était un peu catastrophique. On avait marre là. Voilà. Les dinosaures avec des cornes, les mammouths et les tortues qui ressemblaient à des gros trucs. Super. Et on se retrouve. Jour numéro 2. Alors on est en train de marcher dans les petites rues de Brooklyn. C'est super sympa, il y a des maisons typiques. C'est des petites maisons avec des façades, avec des petits escaliers qui montent, pas très haut, tout coloré. On en a acheté une, mais déjà la semaine d'hôtel elle est un peu chère. C'est un peu compliqué. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses qu'on veut. On va aller se balader au parc dans Brooklyn et ensuite on va aller faire le Brooklyn Bridge. Voilà. Et ce soir on va à Broadway. Ce soir on va à Broadway, ouais. Les gars. Le mec qui a, l'ingénieur qui a designé le Brooklyn Bridge, qui a fait les plans et tout, il est mort une semaine après le début du chantier, le pied écrasé par un ferry. Voilà, donc petite leçon aux ingénieurs, quand vous designez quelque chose et tout, bah, évitez qu'il y ait des ferries qui traînent au niveau de vos pieds. Moi, c'est une bonne morale. Aladdin, ça va être incroyable. Regardez comment on est bien placé et tout. Enfin, quand je dis on, c'est Polo et moi. Hein. Vous allez rien voir du tout, on va pas tout filmer. Musique.
la Statue de la Liberté. C'est un beau cadeau des Français pour l'indépendance des Américains. Voilà, donc on va aller voir le cadeau qu'on a fait, parce que comme d'habitude, on ne sait pas parce qu'on n'est pas là quand on offre les cadeaux. Donc on va aller voir le cadeau qu'on a fait aux Américains. Voilà, voilà, c'est tout. Chelsea Market. Parce qu'on a la dalle, tout simplement. On a la dalle, il est 16h, on a la dalle, on n'en peut plus, on veut manger. Et après, on fera quoi? Et après, on va faire la High Line. La High Line. Voilà. Enfin, si on trouve à manger d'abord, parce que sinon, oui, on va juste. On va manger d'abord, c'est le plus important. En PLS par terre et attendre qu'on nous nourrisse. Voilà ce qu'on va faire. Clairement. Bah, quoi de mieux que d'aller se promener dans Central Park avec des bons hot dogs. On fait que graille. C'est le deuxième round, mais le premier était un peu cher, on s'est un peu fait avoir. Oui, voilà. On a été obligé d'en prendre un deuxième. Il fait super beau, c'est trop cool, mais il y a tellement de monde en même temps. C'est le week-end. Ouais, c'est ça. On est le week-end, il fait beau, bah tout le monde va à Central Park. Vous allez voir, c'est une marée humaine. Oui, on va se promener. À toutes. On est où? On est sur l'allée principale. Oui, j'ai très bien appris ma leçon, vous allez voir. C'est l'allée principale où vous voyez dans tous les films un peu américains, tout ça, quand il y a l'acteur qui marche dans Central Park, bah c'est sur cette allée là. Cette allée, elle s'appelle The Mall. Bravo, j'ai bien appris ma leçon. Ça a bien retenu. 10 sur 10. 10 sur 10. Ciao. Yo. C'est notre dernier jour à New York.
déjà, ça passe si vite. Et New York pleut notre départ. Exactement. Pleure en pleuvant. Ouais, exactement. Donc voilà. C'est pas super beau aujourd'hui, on en profite pour aller au mémorial du 11 septembre et faire le musée. Et faire un dernier petit tour dans Manhattan. Et hier c'était dimanche, on a été à Harlem à une messe gospel. C'était grave intéressant. C'était sympa et on allait se promener à Coney Island. Voilà, on a oublié de vlogger. À tout. Non. Pas tout. Non, des bisous. Des bisous. C'est gratuit? Oui, c'est gratuit avec 20% de gratuité. C'est un code promo? C'est dans la gratuité, ça veut dire les pourboires. C'est en quelle langue ça? Bah ici ils disent 20% de gratuité. T'es une tarée. Arrête de me suivre. T'es une tarée. Regarde-moi bien. T'es une tarée.